bravo. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les œuvres des ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas empêcher la progression des enfants de la lumière. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la manifestation du ténèbre, elle ne peut pas empêcher la progression des enfants des lumières. Alors que tu acclames le Seigneur, nous élevons la croix de la victoire. Alors que tu acclames le Seigneur, nous établissons la victoire de la croix de Golgotha en ce lieu. Alors que tu acclames le Seigneur, alors que tu acclames le Seigneur, alors que tu acclames le Seigneur, thank you Jesus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite? Tu lui dis bienvenue à l'église porte de cieux.
Je t'entends pas. Est-ce que tu peux dire bienvenue à l'église Porte de Cieux? Tu peux lui dire que le pasteur m'a demandé de te saluer de sa part. Il te salue au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a passé une semaine exceptionnelle au travail? Y a-t-il quelqu'un qui a vu la main de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie encore d'être en ce jour dans la maison de prière aujourd'hui? C'est notre culte de prière. Je t'ai dit au commencement, quelle que soit la manifestation des ténèbres, elle ne peut pas empêcher la progression des enfants de lumière. Ah, je pensais que j'en avais que 3 ou 4 enfants de lumière ici. Amen. Incline ta tête dans la prière. Taraïs. Pora avekash. Elihava kore kata. Lamina sukade. Pove kabo me atote ta utumane. Utumane anu anashia ni anehatekaira. Elamani unastikala anaka ukadesh. Elano vaki. Lande saki ovea sadeleha. Elerakino vakilere sakireba. Plane kasilo vera sindadi shakoba. Ala hatun de kabay de karas. Ile rasum de le kaposh ke le vera. Alani sakole manika shaya. Laisse que tes anges montent et descendent dans ce lieu. Les rasuni kabosha de le rasa. Nous soumettons toutes choses au contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Et la manaki le rabassin de le barakosh. Est-ce que les anges qui sont liés à cet autel, Lakir et Varasaya, sortent maintenant de cet autel pour aller toucher la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix, ici dans cette salle, même sur Power Channel, même ceux qui sont connectés sur YouTube, Lela Soke, Rande Seka, Nando Shaba, Lera Severanto, Lera Sivire, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant. Lamosh. Irakesh. Thank you, Jesus. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère, comme je disais tout à l'heure, que la semaine s'est bien passée pour la plupart d'entre nous. Et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je suis le pasteur Daniel, fils spirituel du prophète Joël. Comme je disais, j'ai reçu de la part du Seigneur et de son saint serviteur la responsabilité d'apporter la parole du Seigneur cette semaine. Et Dieu seul sait que c'est avec crainte et tremblement et non par habitude que nous nous tenons devant cette chair qui est sainte. Et devant le précieux peuple de Dieu que vous êtes, ceux qui sont ici et ceux qui sont connectés par tous nos canaux digitaux, je prie Dieu de m'accompagner par sa grâce et j'aimerais dire un grand merci à nos parents spirituels, le prophète Joël et maman Simeon Tatou pour la confiance. Je parlais encore avec notre père ce matin au téléphone. J'ai reçu sa bénédiction et il m'a demandé de bénir et saluer le peuple de Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, lui-même va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être... Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. J'ai dit un grand merci à la direction de l'église. Je vois ici maman Dani, que nous appelons affectueusement pasteur Dani. Et je vois ici maman Doudou. Merci pour la confiance. Et j'ai dit un grand merci à mes frères. Membre du collège pastoral, merci énormément. Que Dieu nous fasse du bien et nous allons de gloire en gloire. Alors la semaine passée, j'ai parlé, le mardi passé plutôt, j'ai commencé l'introduction du message qui cette semaine a pour thème comprendre et libérer son potentiel. Nous nous sommes basés sur les textes de Genèse 1, 14. Nous avons aussi lu Ecclésiaste
3, à partir du premier verset jusqu'à 9, nous avons dit que de la même manière qu'un fabricant ne peut pas mettre sur le marché un produit qui n'a pas de qualité, de la même manière qu'aucun vendeur ne peut vendre quelque chose qui est vide ou qui est mauvais, de la même manière qu'on retire les produits déjà utilisés du marché pour les faire retourner chez les fabricants, j'ai dit que de la même manière, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre sans avoir mis des choses en lui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu a mis des choses en toi. Dis à ton voisin, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a mis des choses en toi. Je disais donc, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu et c'est pour un but précis. Alléluia, alléluia. Nos dons, nos talents, nos potentiels que nous avons, c'est pour un but précis. Et nous devons prendre conscience de notre potentiel. Et je disais que le fait de ne pas exploiter ses potentiels, tu te prives de ce qu'on appelle la fécondité. Celui qui n'exploite pas celui qui n'exploite pas ses potentiels, ce n'est pas quelqu'un qui est fécond. Lorsque Dieu bénit Abraham, il dit à Abraham d'aller se multiplier, de devenir fécond. Il y a une différence entre se multiplier et être fécond. Alléluia. 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 Ne me regarde pas comme ça. Alléluia. Et je dis que parfois, certains Goliath ne tombent pas si tu ne libères pas les potentiels que Dieu t'a donnés. Je disais ici que David a été oint par Saoul, mais ce n'est pas l'onction qui a fait tomber Goliath. C'est parce qu'il était berger, il était dans l'exercice des protections des brebis. C'est l'expérience qu'il avait face à l'ours et au lion qui lui a donné des connaissances et des compétences comment se défendre. C'est pourquoi lorsqu'il était entré dans cette arène, il savait exactement comment utiliser une pierre, comment utiliser cette espèce de lance-pierre qu'il avait pour atteindre son objectif. Je disais à quelqu'un que tout celui qui apprend à utiliser, à aiguiser ses compétences, va forcément rencontrer le succès. Et je prie Dieu que ce soit le cas de quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce soir. Alors aujourd'hui, j'ai un texte merveilleux que je vais lire. Mais je suis sûr que beaucoup de gens ne vont pas aimer ma prédication. Donc, je suis dans Comprendre et libérer son potentiel, deuxième partie. J'ai lu le texte de Acte 16. Je vais demander à Papa Pat de me le lire avec onction. Acte 16, à partir de versets 6 à 10. Acte 16, 6 à 10. Acte chapitre 16, le verset 6 jusqu'au verset 10e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Si c'est ta Bible et souligne, ayant été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie, vas-y. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Si c'est ta Bible, souligne, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils sont arrivés quelque part, ils étaient disposés à entrer en ce lieu-là, mais la Bible dit que l'Esprit de Jésus-Christ ne le leur permit pas. N'a pas permis cela. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Ils franchirent alors la Mysie. Et ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Il a eu une vision. Pendant la nuit, un Macédonien lui est apparu et lui a dit, passe en Macédoine et secours-nous. S'il vous plaît, aidez le retour, s'il vous plaît. On y va. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Aha.
C'est le verset 10. Yes. Répète ça, s'il te plaît, mon frère. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ok. J'ai besoin de vous trois. Venez. Je commence la prédication. Non, maman restez. Les frères, venez. Tu vas répéter cela avec moi, rapidement. Je ne serai pas long, hein, mais nous allons passer du temps dans la prière. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Vas-y. On y va, mon frère. Actes 16. C'est que tu as lu. À partir du verset 6. Répète. Oui, recommence. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ça, c'est la Phrygie. Bon, permettez-moi si je ne dis pas bien le mot. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas le nom commun congolais. Donc, je suis Paul. Et lui, il est la Phrygie, c'est ça? Oui, et le pays de Galatie. La Bible dit, il venait vers la Phrygie et le pays de Galatie. Mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Yes. On y va. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils ont voulu entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On y va. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. C'est fini. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous avons compris que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Wow. Dis à ton voisin. Le détour n'est pas un obstacle. Amen. Quelqu'un a compris? Dis à ton voisin. Le détour n'est pas un obstacle. Ah. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Papa Pat, tu vas m'aider avec le micro. Yes. Ils étaient en pleine mission. Avec les potentiels, les capacités que Dieu les a données. Ils arrivent quelque part. Le Saint-Esprit ne permet pas. Ils essayent encore d'aller quelque part. Le Saint-Esprit ne permet pas. Ils avancent encore quelque part. Et le Saint-Esprit refuse encore. Et c'est là où ils reçoivent la vision. Que quelqu'un les apparaît en Macédoine. Pour les demander de leur secourir. Maintenant ma question. Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas dit au départ? Ne venez pas ici. Allez directement en Macédoine. Dis-moi avance, pasteur, je vais te dire quelque chose. Les diables n'utilisent pas simplement les obstacles. Les diables utilisent aussi les opportunités. Ah. Aïe, aïe. Les diables n'utilisent pas simplement les obstacles. Ils utilisent aussi les opportunités. D'ailleurs,
pour savoir comment est-ce que le diable t'attaque, il ne faut pas regarder les obstacles que tu as, les difficultés que tu as, mais regarde souvent les opportunités devant toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Un jour, le diable vient dans le jardin, il rencontre Adam et Ève. Le diable ne s'est pas opposé à ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Mais le diable a apporté une autre opportunité, la pomme. Ce n'est pas parce que tu as un potentiel, tu as une capacité, que toutes les portes sont tes portes. Ce n'est pas parce que tu as un potentiel, tu as des capacités, que toute opportunité, tu dois entrer. Aïe, 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 aïe. Ah. Ton plus grand combat, alors que nous sommes en train de parler sur comprendre et libérer ce potentiel, ce n'est pas le fait de dire que le diable est en train de m'attaquer dans tel domaine. En ce temps de la fin, le diable change de stratégie. Il te propose beaucoup de choses à la fois. L'objectif est de te détourner de la volonté de Dieu. C'est bon, mes frères, vous pouvez vous asseoir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chaque opportunité n'est pas ton opportunité. Chaque porte ouverte n'est pas ta porte à toi d'entrée. Non, je change. Chaque mariage n'est pas ton mariage. Oh. Regarde, il y a des gens qui disent, mais il est en train de dire quoi? Ce n'est pas parce qu'un homme te dit que je vais t'épouser que tu vas simplement dire oui. Parce qu'à défaut de te stopper, de te bloquer, le diable va s'assurer de t'offrir une opportunité lorsque tu entres dedans et te bloque. C'est pourquoi le plus grand problème que nous avons lorsqu'on a des potentiels, on a des capacités, lorsque nous avons le don, ce n'est pas la capacité de dire oui, mais c'est la capacité de dire non. Maman Dani, combien des hommes de Dieu, de prophètes aujourd'hui sont capables de dire non à une invitation de l'Allemagne et d'accepter une invitation de Bassankoussou? Soyons sincères, soyons sincères. Qui t'a dit que toutes les opportunités que tu as à l'étranger, tous les voyages que tu dois faire à l'étranger, toute affaire que tu dois dire, c'est Dieu? Tu vois dans ta tête, déjà dans ta tête, quand on dit mission, toi tu vois Montréal, tu vois Washington, dans ta tête tu as enlevé Mbandaka Bassankoussou, tu as enlevé Ilebo, parce que pour toi là-bas, on t'a fait croire que là-bas il n'y a rien, Dieu n'a pas de plan pour eux. Oh, le besoin était en Macédoine. Lorsqu'on a un potentiel pour la libérer, on la libère là où il y a un besoin. L'impact de Paul en Macédoine était plus efficace que si Paul était entré dans les pays qu'on a cités. Je le vois souvent avec les jeunes serviteurs de Dieu. Moi aussi je suis jeune. Mes frères, je ne peux pas avoir la prétention de me placer au-dessus des uns et des autres. Je suis des frères, je suis votre frère. Lorsque quelqu'un prophétise, 99,9% ont du mal à s'asseoir et accepter lorsque le Père dit ne prêche pas. Parce que pour lui, chaque occasion d'avoir le micro est une opportunité. Si Paul n'était pas un homme qui était sensible à l'esprit, il allait forcer certaines portes et avoir moins de résultats possibles. Je le répète encore,
Ce n'est pas parce que tu as eu une occasion de voyager qu'il faut que tu voyages. Est-ce que je suis en train de refuser que tu voyages? Non. Mais je prie pour chaque déplacement, pour chaque opportunité. Laisse que le Saint-Esprit te guide dans le lieu où tu auras plus d'impact au nom de Jésus-Christ. Celui qui me donne un amen reçoit sa part ce soir. Je disais, celui qui me donne le plus grand amen reçoit sa part ce soir. Celui qui me donne le plus grand amen reçoit sa part ce soir. Il ne s'agit pas de ce que tu aimes. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de suivre ce que l'Esprit t'indique. Ah, les gens me regardent bizarrement. Est-ce que quelqu'un peut dire, Satan, tu ne me piégeras pas par tes opportunités dans ma vie au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux encore le répéter? Tu dis, Satan, tu ne me piégeras pas par tes opportunités au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore le répéter? Satan, tu ne me piégeras pas par tes opportunités au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le répéter avec force? Dis, Satan, tu ne me piégeras pas par tes opportunités. L'homme qui est en train de courir derrière toi, il a le sida. Si tu es pressé de te marier, tu vas aller avoir une maladie que tu n'as pas prévue. Répète après moi, dis, Satan, tu ne me piégeras pas derrière tes opportunités. Alors que tu es en train de battre les mains, alors que tu es en train de lever la voix, je décrète et je déclare ce soir, toute action du diable libérant des opportunités pour te détruire dans le chemin de Dieu, cela est brisé et paralysé au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de battre les mains, alors que tu lèves ta voix vers le trône, je décrète, je déclare ce soir que Dieu brise les opportunités qui sont en train de t'amener vers le lieu de ta mort. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? J'entends quelqu'un dire, j'irai en Macédoine. J'irai en Macédoine, le lieu de mon impact avec mes talents. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux prier avec moi? Mes capoye capapaya. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre les mains? 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 Ce soir, nous refusons d'utiliser les opportunités du diable. Ce soir. Ah, au nom de... Écoute-moi, restez debout. Matthieu 4. Jésus est tenté par le diable. Mais si tu lis avec moi les textes... Tu es là? Si tu lis avec moi les tentations, les propositions du diable, ce sont des opportunités. Ce n'est pas des obstacles. Si tu fais ceci, je te donne ceci. Si tu fais ceci, je te donne ceci. Si tu me donnes ton corps, je ferai de toi administrateur dans cette entreprise. Si tu me donnes ton corps, c'est moi qui vais aller te recommander, c'est le patron. Et tu regardes ta maison, tu regardes ta mère, tu regardes tes frères. La rentrée, ils ne sont pas encore à l'école, tu regardes. Tu regardes ces 2000 dollars, ces 1000 dollars qu'on te propose. Tu dis, je peux mettre mes frères et sœurs à l'école. J'aimerais dire à quelqu'un, reçois la force de repousser cette opportunité au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la force de repousser cette opportunité au nom de Jésus. Reçois la force de repousser cette opportunité au nom de Jésus. Le maître a eu la force de repousser cette opportunité. C'est pourquoi il est allé de gloire en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, les premiers combats que tu rencontres lorsque tu as un don et un talent, ce sont les opportunités du diable. Lorsque tu dépasses cette dimension-là, tu entres dans le terrain d'accomplir des exploits. Ce soir, si tu me donnes le meilleur des amens, reçois la capacité. Non, je ne suis pas d'accord avec tes amens. J'ai dit, reçois la capacité ce soir. Lève-toi là où tu es, bats les mains une fois.
Bats les mains deux fois. Bats les mains trois fois. Dis mon Père, au nom de Jésus, de la même manière que le Maître a triomphé dans Matthieu 4 face aux opportunités du diable, je décrète, je déclare, alors que je bats les mains, moi aussi, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains. Bats les mains. Chakapaya. Rakapaya papa la mama. Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains, nous sommes en train de prier. J'ai besoin de voir mes snipers. Tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. N'accepte pas cette offrande-là. N'accepte pas cette offrande-là. Je dis n'accepte pas cette offrande-là. On cherche à voir ton talent. On cherche à voir ton étoile. Refuse cette opportunité-là. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Kapapala, kapala, baba. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Shaya, Shaya, Paya, Kapapana, Rakapaya. J'ai besoin de prier avec mes snipers. Au nom de Jésus, de la même manière que Jésus a triomphé dans Matthieu 4 des opportunités, des tentations du diable, je décrète et je déclare, même dans mon sommeil, même dans mon sommeil, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Parababaya, Shakaparababa, Tozobondela, Shakapaya. Paya baba baba. Au nom de. Acclame une fois. Acclame deux fois. Je vais vous dire quelque chose, mais je cache le nom de la personne. Yes. Il y a une personne que je connais très bien. Cette personne a eu l'occasion de faire. Il a eu l'occasion de meubler la résidence d'une autorité. Là où la plupart des Congolais excellent à augmenter des factures. Une chaise qui est à $50, lui va dire $100. La personne reçoit de la part du Seigneur l'instruction. N'augmente rien. Même les ristournes, il faut signaler. Là où les uns pouvaient bouffer beaucoup d'argent, elle a obéi à la voix du Seigneur. Comment dire? Olingo liaka ananioso. Tu veux manger dans toute occasion. N'a vimbi sa facture. C'est l'occasion pour moi. Demain, c'est une opportunité que j'ai eue d'acheter une nouvelle voiture. Je dois gonfler. Parmi les gens qui augmentent des factures dans les entreprises, il y a des chrétiens. Et puis tu viens nous fatiguer ici. Oh, prie pour moi, je ne me marie pas. Oh, prie pour moi, ça ne va pas dans ma vie. Toi-même, tu sais que tu augmentes les factures. On te donne l'argent de l'entreprise. Va faire des achats. Et les ristournes, et les remises. Tu bouffes tout. Et vous savez quoi? Comme conséquence, la personne a gagné la confiance de cette personne. Pendant que les autres sont en train d'être éliminés, il y a les uns qui sont en train d'être démontés. Mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, si tu refuses l'opportunité du diable, tu es en train d'entrer dans l'ascenseur de ton élévation. J'ai dit, si tu refuses l'opportunité du diable, tu entres dans l'ascenseur de ton élévation. Là où le Saint-Esprit dit, n'entre pas, tu n'entres pas. Là où le Saint-Esprit dit, ne reçois pas, ne reçois pas. Parce qu'il y a plus grand que ce que tu vois, il y a la Macédoine. «
il y a la Macédoine qui est plus grand. Tu ne peux pas avoir de l'impact dans une saison si tu ne sais pas dire non à d'autres portes. Tu ne peux pas entrer dans ta saison si tu n'as pas dit non à d'autres portes. Promotion canapé. J'accepte simplement parce que mon père n'a pas d'argent pour payer pour moi les minéraux à l'université. Certainement. Frère, sœur. Personne ne sort du péché pour la première fois. Si tu commets un péché, tu risques encore de le commettre encore. L'homme qui est derrière toi au travail, alors que tu es marié, même s'il ressemble à l'homme que tu as rêvé d'avoir dans ta vie, avec les barres de chocolat, même s'il sent bon, il s'habille bien, n'accepte pas ses avances. N'accepte pas. Dis à ton voisin, n'accepte pas. Dis à ton voisin, tu peux le bouger, dis n'accepte pas. Est-ce que tu peux dire ceci n'est pas à moi? Dis n'accepte pas. Est-ce que tu peux dire ceci n'est pas à moi? Je ne veux pas la porte de quelqu'un. Je ne veux pas la chaise de quelqu'un. Je veux ma chaise à moi. Je ne veux pas la saison de quelqu'un. Je veux ma saison à moi. Alors que tu bats les mains, que ta saison vienne vers toi au nom de Jésus. Alors que tu es en train de prier, que ta saison vienne vers toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. C'est le jour de la prière, c'est le jour de la prière. C'est le jour de la prière, nous sommes en train de battre les mains. Bats les mains là où tu es. Oh! Est-ce que tu peux battre les mains? Déclare, c'est ma saison à moi. Je veux ma porte à moi. Je veux ma porte à moi. Je veux ma saison de gloire. Je veux ma saison de manquer. Je veux ma saison de réussite. Je veux ma saison d'expansion. Je veux ma saison plus tu déclares, tu bats les mains et tu déclares, je vivrai ma saison, je vivrai ma saison, avant la fin de 2022, j'entrerai dans ma saison, avant la fin de cette année, je vivrai ma saison, où sont parties tes mains, où sont parties les mains, est-ce que tu peux battre les mains, est-ce que tu peux battre les mains, monte en prière. Monte en prière, ne te fatigue pas de parler à Dieu, car il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta saison. Il ne s'agit pas de la saison de ton père, il ne s'agit pas de la saison de ta mère, il ne s'agit pas de la saison de ton frère. Il s'agit de ta saison de gloire, de ta saison de réussite, de ta saison de progrès, de ta saison de prospérité. Est-ce que tu peux battre les mains et parler à Dieu pour ta saison? Au nom de Jésus. Mets-toi là où tu es. Mets-toi là où tu es. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un,
Chaque besoin n'est pas ta responsabilité. Dieu sait comment il fait les choses. Mais il n'a pas envoyé Paul prêcher dans ces villes-là. Il ne voulait pas. L'esprit ne voulait pas qu'ils entrent là-bas. Chaque besoin, homme de Dieu, sœur, n'est pas ta responsabilité. Toi, pour atteindre l'objectif, pour être un homme d'impact, il y a un lieu que Dieu a prévu pour toi. Et c'est dans ce lieu-là, c'est dans cette chose-là que tu fais. C'est dans ce travail-là que tu fais que l'impact viendra, la renommée viendra. Tu n'es pas là pour répondre à toutes les invitations. Ce n'est pas parce que c'est ta saison que tu dois circuler partout, on doit te voir partout. Tu as ta place à toi. Tu as ta place à toi. Ce n'est pas parce que toutes les filles sont belles que tu dois les épouser. Tu as ta femme à toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce n'est pas parce que tous les garçons sont beaux devant toi que tu dois avoir des relations avec tous ces garçons. Tu as ton homme à toi. Tu pensais que j'allais te dire quoi? Reçois le Saint-Esprit pour ton impact. Je disais merci à Dieu parce que nous sommes dans une église qui est équilibrée. Et cette saison, le Seigneur veut nous équiper, nous donne les informations, nous taille, nous donne des compétences. Lorsque la gloire va venir, que tu ne tombes pas. La fille. Non, maman, pas toi. Maman, respire, pas toi. Fais vite. Quelqu'un m'a dit, tu aimes beaucoup donner des exemples. Oui, j'aime donner des exemples. Yann, viens, s'il te plaît. Yann, viens. Voit l'impact dans sa saison. Il y a une chose que tu dois tenir compte. C'est le facteur Dieu. Dans tous tes projets, c'est le facteur Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser. Mais Dieu, lui, ne peut pas t'abandonner. Lorsque tu es dans l'endroit où Dieu te veut, lorsque tu es dans ta saison, lorsque tu es dans ta porte, tu n'es pas la première personne à arriver dans cette porte-là. Dis-moi amen, j'ouvre une porte et je ferme. Non, ton amen ne me pousse pas, sinon je pars avec ce que je vais dire. Dis-moi, avance, pasteur. Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle reçoit la grossesse de Jésus, Marie n'avait pas 20 ans, Marie avait 15 ans. Dieu, sachant
dans sa saison et qui pouvait avoir possibilité de ne pas supporter ce qui vient dans la saison, Dieu a préparé avant une prophétesse et un prophète qui était dans le temple, qui intercédait déjà parce que Dieu les avait promis de voir l'enfant Jésus. Ils sont en train d'intercéder, pas pour Marie, mais parce qu'ils veulent avoir Jésus. En réalité, lorsque tu entres dans ta saison, lorsque tu entres dans ta porte, il y a des hommes et des femmes qui étaient déjà prédisposés par Dieu qui intercèdent pour que ce que tu as sorte, pour que le monde soit impacté. Je me tiens devant cet autel. Je décrète et je déclare, tout celui qui est dans sa saison. Aïe. 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 Libérer son potentiel. Avoir l'impact. N'est pas possible s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prient. Et j'aimerais dire quelque chose rapidement. Avant même que Joseph croise Marie, il y avait déjà les mages qui étaient en train de venir avec la provision pour que dans la saison, l'enfant qui va sortir ne puisse pas manquer quelque chose. Ailleurs, les mages étaient déjà en marche deux ans avant. C'est-à-dire avant même que Joseph rencontre Marie, les mages avaient déjà vu l'étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà vu ton étoile. Celui qui me donne le meilleur des amens, laisse que son Jésus puisse sortir. Laisse que ses potentiels puissent sortir. Laisse que le monde te reconnaisse par ton travail. Reçois ta part ce soir. Ara qui verras. Ara qui reverras. Tu ne peux pas entrer dans ta saison avec des manques. Tu ne peux pas. Jésus n'est pas né dans la bergerie parce qu'il manquait d'argent, parce qu'il manquait de place. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ce n'est pas parce que tu n'as pas Range Rover, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu manques de Range Rover. Peut-être que tu as l'argent, mais comme toi tu ne peux pas acheter Range Rover et Sandwich, tu as commandé. En Angleterre, on t'a donné 6 mois d'attente. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Regarde ce que tu as en main. Regarde tes potentiels. Il y a des hommes invisibles qui prient pour toi. Parce que nous n'avons pas le potentiel pour nous. Je vous ai dit ici lors de mon introduction, du message que je prêche ce soir, c'est le prophète Jonathan qui a fait mon introduction. Il a dit le don. Les dons sont pour Dieu, c'est pour amener des hommes vers Dieu. Mais les talents sont pour nous. Reçois ta part. Il y a un esprit de pauvreté qui est dans ta tête. Parce que ce que je suis en train d'illustrer, je suis en train de te montrer que l'entreprise que tu as toujours voulu avoir va se réaliser. Regarde comment les chômeurs sont assis, ne me donne pas un amen. J'ai dit, la maison que tu as toujours rêvé d'avoir, tu vas dormir dedans.
C'est Dieu qui donne le potentiel. C'est Dieu qui établit la saison. Et c'est Dieu qui donne les canaux de le relâcher pour que l'impact soit grand. Il y a des choses qui existent déjà. Même si tu ne le vois pas, ça existe déjà. Par exemple, ton impact, ça existe déjà. Aïe, 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 aïe. Ton impact existe déjà. Tu es comme Marie. Je te dis, ne crains rien. Les mages sont en route. Ta saison est en train de venir. J'ai dit, ta saison est déjà là. J'ai dit, ta saison est déjà là. Je lève ma main pour toutes les personnes qui sont connectées sur Power Channel. Même les personnes qui sont connectées, qui nous suivent en direct sur YouTube. C'est votre saison. Donne-moi un amen bien. Makamboko vivre na ba saison ba twezate. Oh oncle na biso komi ministre na ke pesa mo si na yembo te. Yondo koko ma ministre on ka koyo ko pesa mbote. Amen na yo ezo lembisangai. Ozondi mate. Ce que Dieu a fait, Dieu est capable de le faire. Donne-moi un amen bien. Ce que Dieu est capable de faire, Dieu peut le refaire. Ce que Dieu a fait, Dieu peut le refaire. On vient de nommer un DG dans une entreprise. Il a 30 ans. Il était manutentionnaire. C'est qu'il marchait. Il se réveille DG. J'ai dit à quelqu'un, ça sera ton histoire. J'ai dit, ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Lorsque ta saison arrive, il y a li et li. Lorsque ta saison arrive, nzamba ko matiso na mbetu mususu, batu mususu bako wole na mbetu na yo. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Je connais un ministre. Ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Le gars, il était locataire. Il louait une maison de deux chambres salon. Sa femme, Télémana Sepelisayo, Téléma. Sa femme vendait les épices. Le jour où l'ordonnance sort, sa femme vendait les épices. On appelle son mari. On dit, tu es où? Oh, je suis à la maison. On dit, on va te chercher. Bakoya kolukayo. Nalobi bakoya kolukayo. On l'appelle. On vient les chercher. Tala. Avant nous, ne comme pas moi si na yo. Et comme pas mobali na yo, comme pas banana yo. Et comme banana nous na yo moko. Ah, bonne nouvelle, ko banana nous na yo moko. Nalobi eko banana nous na yo moko. On prend le mari, on l'amène quelque part. Et bien, on a une ordonnance. Est nommé vice-premier ministre. Ta. Lupangu Batubagangi. Il habitait dans la parcelle avec son bailleur et il était en retard de loyer.
tala ezana banyongo mususu okofuta te me bako effacer parce que tu es dans ta saison banyongo mususu bako effacer ozopesa nga mena bien te natiki nanga ozopesa nga mena bien te. Il y a des dettes, lorsque tu entres dans ta saison, on va effacer. Yes. Personne n'aura le culot de venir te dire, monsieur le ministre, vous me devez $20 des héritages. En concaté, somme. Que ça soit ton histoire au nom de Jésus. Basopi foufou. La femme était toujours devant ses épices. On envoie l'escorte des policiers. On dit non. Vous avez le vice-premier. Mais la femme du vice-premier n'est pas là. Où sont les enfants du vice-premier? Baillez kozoa maman wana likolo à table ni avec pisse. Yoka maman, eh boze la na bomba be pisanga, balobi police lobi maman sundo la biloko yo. Ah! Omoni ba $100 ozana ngona sak sundo lango. Oma, omoni bilamba bate la kola ba ketch wana mikie ba verse wana mikie. Sundo la yango. Lorsque tu entres dans ta saison, la saison prend soin de tous les composants de ta vie. Celui qui me donne un grand amen. Que Dieu change l'histoire de sa vie ce soir. Celui qui me donne un grand amen. Alors que tu veux aller à la Macédoine, que Dieu change ton histoire ce soir. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous prions un Dieu qui est vivant. Le nôtre n'est pas mort. Les sommets des femmes l'ont vu comme ça. Jésus n'est pas une fiction. Mambora kakaba. Rabababababa. Rebabababa. Alors que je prie en langue, je te tiens dans les pieds. Comme Siméon et Lévi. Je décrète et je déclare. La bénédiction que tu portes dans ton ventre. Les talents que tu as en toi va bénir le monde. Tu ne feras pas de fausses couches. Marie ne peut pas faire de fausses couches. Je dis, Marie ne peut pas faire de fausses couches. Parce que tu es dans ta saison. Tu ne feras pas de fausses affaires. Oh, donne-moi le meilleur des amen. Tu ne feras pas de fausses affaires. Car, Shabbat. Je dis, tu ne feras pas de fausses affaires. Balia batumbongo yayo bakoliate. Mette ma colo boy. Mette ma colo. Non, il se l'a dit, il ma colo. Non, 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 donne-moi un amen bien. On m'a dit, on m'a colo. On m'a dit, malade, on m'a dit, on m'a. On jette ça devant la porte. Lorsque tu piétines, tu as ce qu'on appelle l'éléphantesque. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais le pied commence à gonfler. Mais est-ce que tu sais que celui qui porte le bout à caoutchouc atteigne à Timba sur Ozoyete? Nalobi Nengo Ozo Salaka Kabakolo Bongo Ozo Kota na saison na yo. Piège Nyo Sobatia qui pourrait comme le Yamabe. Ozo la ta caoutchouc à bote na makolo. Entre dans ta saison. Kalahate, Vakira, les rassos. Ah, tu pries bien, commence à battre les mains. C'est bon, c'est bon, commence à battre les mains.
une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. C'est notre culte de prière. Mais je vais poser cette base avant de clôturer dimanche. Prends ta Bible dans le livre de Actes 16, à partir du premier verset. Acte 16, à partir du premier verset. Est-ce que Pat peut nous lire ça? Acte 16, à partir du premier verset. Pat, papa Gracien, tu peux lire pour nous. Même maman. Acte 16, à partir du premier verset. Acte 16, à partir du premier verset. Ouais, augmente le voix, s'il te plaît, mon prophète. Acte 16, à partir du premier verset. Amen. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Avance. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. 3. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit et à cause de juifs qui étaient dans ce lieu-là. La Bible dit ceci. C'est la rencontre de Paul et de Timothée. Il est arrivé quelque part, on a rendu témoignage de Timothée. Et parce que Paul voulait le prendre pour l'amener, la Bible dit, il prit Timothée et la circoncis. Tu ne peux pas entrer dans ta saison si tu n'es pas circoncis. C'est quoi la circoncision? Tu es dans les affaires. Tu ne peux pas faire des affaires sans avoir un mentor. Toi, tu es tellement orgueilleux, tu connais beaucoup. Tu vas perdre ton argent, on va t'escroquer. Dans tous les domaines, il y a des gens qui sont devant nous pour nous montrer le chemin. Même dans le ministère, tu ne peux pas devenir un grand homme de Dieu si tu n'as pas été circoncis. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on doit couper en toi pour entrer dans ta saison. Est-ce que tu peux le répéter? Dis, il y a des choses qu'on doit couper en toi lorsque tu es dans ta saison. Non, je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois te débarrasser de ça. Tu ne peux pas suivre Paul si tu n'es pas circoncis. Tu es tellement orgueilleux. Toi, on ne te parle pas. Tu veux servir Dieu, mais tu n'as d'égard pour personne. Que des gens qui quittent même l'église parce que le père spirituel m'a frustré. Qui t'a dit que c'est peut-être ta circoncision? Les temps et saisons changent. Mais nous décidons, c'est les circoncis, entrer dans la saison de la manifestation. Lève la main là où tu es. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Est-ce que là où tu es, tu vas commencer à battre simplement tes mains? Tu bats tes mains, tu vas dire à Dieu que j'entre dans ma saison, que j'entre dans ma saison, que j'entre dans ma nouvelle saison, que j'entre dans ma nouvelle saison. Ta façon de prier détermine la nouvelle saison que tu y entreras. Ta façon de prier détermine ta nouvelle saison. Au nom de bien-aimé, les textes que le pasteur vient de nous lire, on parle de comment est-ce que les gens ont été empêchés par l'Esprit de Dieu d'entrer dans un endroit où ils n'étaient pas appelés. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a aussi des esprits mauvais qui poussent des hommes et des femmes à entrer dans des endroits où Dieu ne les voit pas pour les écarter de la volonté de Dieu. J'étais en train de dire qu'il y a des esprits mauvais.
Il y a des personnes poussées par les diables qui viennent sur ton chemin pour t'empêcher, pour te pousser à entrer dans un endroit que Dieu ne te voit pas. Tu vas commencer à battre le main et à éradiquer tout esprit qui t'empêche, qui te pousse à entrer dans un endroit que Dieu ne te voit pas. Chakaba. Est-ce que tu peux commencer à battre le main? Tu vas prier que tout esprit qui te pousse à entrer dans un lieu, dans une affaire, que Dieu ne te voit pas. Tu es dans un lieu. Est-ce que tu peux commencer à battre le main? Est-ce que tu peux commencer à battre le main? Sakaparera sa. Sapaleaka sauvé. Est-ce que tu peux battre le main et prier? Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a empêchés. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont poussés par les esprits. Poussés par les esprits mauvais. Au nom de, bien-aimé, il n'y a pas que des esprits qui poussent des gens à entrer dans des choses auxquelles Dieu ne les voit pas. Dieu, il y a aussi des hommes physiques, des hommes naturels, poussés par les diables, envoyés par le monde des ténèbres, qui viennent auprès des enfants de Dieu, qui viennent auprès des élus, pour les pousser à entrer dans des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelés. Tu vas commencer à battre le main. Toute personne envoyée par le monde des ténèbres pour te distraire, pour t'introduire dans une opportunité que Dieu ne te voit pas. Est-ce que tu peux battre le main? Si tu as compris les sujets de prière, ta façon de prier, est-ce que tu peux être conduit par une colère sainte? Rakapa sekabaya, se tapera basaka, perofa ke tabea pas, les cités varabas, les tamparelas, ce que a parodé ça, les se varabas, que soperabedas. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Par ta façon de battre les mains, il y a des esprits qui tombent. Il y a des personnes qui tombent. Il y a des esprits qui tombent. Il y a des personnes physiques qui tombent. Sans pas les barassant. Les sirés pas s'opéra. Les cités vas. La rose s'abéra basse. Sa parobe sa. Les siferia palais. C'était vaste. Au nom de. Pourquoi tu ne réagis pas? C'est comme si tu étais en colère contre moi. Au nom de. Nous avons vu qu'il y avait trois portes que l'esprit n'a pas voulu à ce que ces hommes, ces missionnaires entrent. Tu vas fermer toutes les portes ouvertes. Toutes les portes du diable dans ta vie. Toutes les portes ouvertes par le diable. Pour te faire entrer dans un domaine que Dieu ne te voit pas. Mais alors que tu le fais en battant le main. Que toutes les portes du diable. Est-ce que tu peux commencer à battre le main? Pas le main pris. Est-ce que tu peux battre le main? Pas le main. Pas ta façon de battre le main. Tu fermes les portes. Tu fermes toutes les portes du diable. Sapareda seva. Les sifaketabea. Sapaliteka. Ikapera. Yepakea. Yepakea. Sapera katuva. Sekite palados. Y'a que paradis ça. Est-ce que tu peux battre le main?
Est-ce que tu peux battre le main? Par ta façon de battre le main, il y a des portes qui se ferment. Il y a des portes qui se ferment. Pas le main. Pas le main. Pas le main. Au nom de... J'aimerais que tu tiens ton voisin. Regarde ton voisin. Tiens-lui entre les mains. Tu touches ton voisin. Tu vas commencer à déclarer que toutes les portes ouvertes dans le monde des ténèbres pour les désorienter. Simba et Lubo, comme il va aller bien aimé. Touche-les. Touche-les vraiment. Simba et Ozotalana face à face. Ozobandako Kangabo, porte Nyoso. Tu vas fermer toutes les portes dans sa vie. Essaie de déclarer comme un sacrificateur. Déclare comme un roi. Alors que tu pries pour. Élève ta voix, commence à déclarer. Que toutes les portes soient fermées dans sa vie. Est-ce que tu peux les déclarer? Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare sur ton voisin. Déclare, déclare. Que les portes de l'ennemi se ferment au nom de Jésus. Que les portes de l'ennemi se ferment au nom de Jésus. Que les portes de l'ennemi se ferment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La brasse Santa Rabaya, les cafari abashaladis, les rayakalahas adadiabla. Alabra, est-ce que tu veux commencer à clamer fortement pour Jésus? Commence à clamer avec conviction. Commence à clamer parce que Dieu a fermé les portes ce soir. Les portes de l'ennemi sont fermées. Commence à clamer avec conviction parce que non seulement les portes de l'ennemi sont fermées, Dieu a ouvert des portes en ta faveur. Voilà pourquoi je déclare en tant que prophète et fils de prophète que tu entres dans ta saison et cela au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans ta saison et cela au nom de Jésus-Christ. C'est irréversible. Rien ne peut l'empêcher. Tu entres dans ta saison et cela au nom de Jésus-Christ. Je disais au nom de Jésus-Christ. Je disais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, des nouvelles choses dans ta vie, des nouvelles portes dans ta vie, des nouvelles opportunités venant de Dieu dans ta vie. Je déclare que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore une fois? Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Nous bénissons Dieu pour la parole de ce soir. Combien d'entre nous avons été bénis ce soir par la parole? Nous avons été bénis ce soir par la parole. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, pendant ce temps, nous aurons dans quelques instants le père de la maison qui veut nous bénir, qui va prier avec nous. Amen. De loin en France où il est, il a ses pensées constamment vers nous. Il nous a dit que depuis ce matin, il était en train de prier pour l'église, pour tout un chacun de nous. Et je crois que notre Père étant là en ligne, Dieu nous fera du bien. Bonsoir papa, nous sommes là. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai suivi le culte comme tous les autres, les précédents cultes. Et je tiens à bénir le Seigneur pour le très bon travail qui se fait. Et j'ai tenu à prier pour vous aujourd'hui et à vous annoncer que ce dimanche matin, Dieu m'a parlé, m'a dit faire de très grandes choses au culte de ce dimanche. Alors pour ce dimanche, toutes les personnes qui ont besoin de financement pour le travail, ou même qui ont besoin de travailler, ou même qui travaillent déjà, emmenez tout ce qui est attaché à votre domaine professionnel, que ce soit la carte de service, votre uniforme, ou bien votre CV, ou quoi que ce soit, qui soit un point de contact. Ce dimanche, Dieu a décidé de donner à beaucoup de gens du travail et aussi le financement pour leur affaire. Je n'arrête pas de recevoir
beaucoup de... Voilà. Je n'arrête pas de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Même un frère, aujourd'hui du protocole, m'a parlé, m'a dit, papa, c'est pas évident de témoigner ça, mais ton Dieu a donné du travail. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là, comme on a prié ce soir, que Dieu prenne tes pieds et qu'il amène tes pieds là où ils ne sont jamais entrés. De la même manière qu'il a cité l'exemple de cet homme, il a cité l'exemple, parce que Dallas a cité l'exemple de cet homme qui a 30 ans est devenu DG d'une grande entreprise. Je décrète et déclare, au moment où les gens ne s'y attendent pas, que le Dieu qui élève te prenne de là où tu es et fasse de toi un objet de scandale et de confusion pour beaucoup de gens. Que Dieu te lève et t'impose dans ta communauté au nom de Jésus. Tes pieds vont monter des avions dans lesquels tu n'es jamais monté. Tes pieds vont entrer dans des pays où tu n'es jamais entré. Tes pieds vont entrer dans des ambassades où tu n'es jamais entré. Tes pieds vont fouler des bureaux. La présidence reçoit cela au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on est en train de parler des pieds, d'ailleurs, le pasteur Daniel Larossi Arabazeve a parlé des gens qui sont touchés de Massou. Et pendant qu'il parlait des pieds, Dieu a ouvert mes yeux. Est-ce que je peux envoyer mes yeux dans l'église maintenant? Le pasteur Daniel a parlé des problèmes des pieds. Je vois une personne dans l'église. Je prie et je... Oh là, c'est Voriaka. Une personne qui est à l'église, mais dont la mère a une plaie au niveau du pied. Et la mère, dans mon esprit, je vois Léla Sova. Je vois le prénom de Bibiche. Cette personne a sa mère qui s'appelle Bibiche. Je vois une plaie au niveau du pied. Bibiche. Est-ce que cette personne est là? Yes, la personne. Il y a quelqu'un, il y a une personne. Ouais, cette maman s'appelle Bibiche Mavungu Mbo. Oui. Oui, pasteur. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, pasteur. Où est cette personne? J'aimerais bien la voir, si vous permettez. Les rabasso varia karabassa karabamacha. J'aimerais voir cette personne-là. Ça va m'aider à continuer le message. Levez juste la main droite. Ok, je veux bien voir sa main. Yeah. Sur la main, je vois l'écrit Elimelech. Oui, c'est bien mon prénom. Comment? C'est toi Elimelech? Je vois sur ta main, on a écrit Elimelech. L'esprit de Dieu me dit que parce que tu es venu au culte de ce soir, il y a un ange maintenant pendant que je parle qui est en train d'aller à la maison là où ta mère est. Vambine. Oui. Ta maman, Vambine. Oui. Bibish, Mbo, Mavung, c'est ça? Oui, c'est ça, pasteur. Oui, c'est ça. Pendant que je parle, l'ange de Dieu est en train, là aussi, voilà. L'ange est envoyé maintenant pendant que je parle et la guérison touche les pieds de ta mère. Elle reçoit la guérison et la délivrance et l'ombre de la mort s'en va loin d'elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre l'eau et le sel et tu vas mettre ça aux pieds de maman. Oui, et je t'informe qu'elle va être guérie. Cette maman viendra témoigner à l'église, elle va être guérie. Amen. Alors que je vois la main là, je vois on écrit Ruben. Je pose à l'ange Larossi Variaka. Je vois on écrit Ruben. Est-ce que tu es l'aîné de la famille? Oui, je suis l'aîné de la famille. Tu es l'aîné, vous êtes les Rasova, les Brakia. Vous êtes à quatre dans la famille. Oui. C'est ça? Oui. On est à quatre. Vous êtes à quatre. Le dernier de la famille s'appelle Petit L, comme L-E-L, comme génération L de la jeunesse de la porte des cieux. L. Oui, pasteur. C'est ça? Oui, prophète. Voilà, je vois comme Petit L. Je n'entends pas la confirmation. Oui, c'est ça.
Votre père aussi a un nom qui commence avec L, comme L, Bias, 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 quelque oui, chose comme prophète, ça. C'est ça. El Bias. El Bias. Oui. El Bias, c'est son prophète. C'est mon père. Et il y a un nom qui se termine comme avec Anbi, comme ça, avec I à la fin, comme ça. Oui, c'est ça, prophète. El Bias Lutambi, c'est ça, prophète. El Bias Lutambi, c'est ça, prophète. Ton père aussi a une plaie, mais la plaie de ton père n'est pas physique. Ton père, je vois dans mon esprit, c'est quelqu'un qui a eu des années un grand fardeau pour le domaine et des écoles, comme de l'académie, comme des histoires de professeurs, comme ça, parce que je vois des craies et des chiffons dans ses mains. Oui, prophète, c'est ça. Et je vois comme si ton père l'a reçu à la carabasse. Mais on dirait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme s'il a été comme directeur, comme promoteur, comme propriétaire, quelque chose comme ça. Mais il a été comme à la tête d'une institution comme, scolaire. Il était promoteur, prophète. Come on, come on. Mais je vois dans mon esprit que c'est fermé. Le Dieu de la porte des cieux, le Dieu que je prie de Amen. Tout mon cœur, ce Dieu-là est non seulement en train de l'arrosbala, de Amen. Guérir ton père, de guérir ta mère, mais aussi de restaurer les finances de ton père, de restaurer les affaires de ton père, Amen. De restaurer Amen. La situation Amen. Économique de ton père. Je décrète et déclare pour toutes les personnes connectées ou les personnes qui sont présentielles, Amen. Laisse que Dieu restaure vos parents. Ou si vous êtes parents, que tout vous les restaure financièrement afin que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez élever vos enfants afin qu'ils ne manquent de rien au nom de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Je vois. Dis avec moi gloire. Dites avec moi gloire. Gloire. En hébreu, gloire, c'est comme Kadosh, mais j'entends comme Kedesh. Oui, c'est ma petite sœur. C'est qui Kedesh? C'est ma petite sœur, oui. C'est sa petite sœur. C'est qui Kedesh? C'est sa petite sœur. C'est ta petite sœur. C'est celle qui vient après lui, hein? Oui. Vient après toi. Oui. Ok. Est-ce que la sœur Yann qui est dans l'église peut se lever? Est-ce que Yann s'est levé? Oui, oui, elle s'est levée. Ok. Je suis en train de voir une connexion entre Yann et... Je suis en train de voir une connexion entre Yann et Kedesh, là. Et je vois dans mon esprit comme si le nom de l'enfant, là, de Kedesh, c'est Yann. Oui, oui, son premier fils s'appelle Yann. Come on, come on, come on. Son premier fils s'appelle Yann. Pendant que je suis en train de parler... Pendant que je suis en train de parler, Yann doit prier pour Yann. Yann doit prier pour Yann. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer la grâce de notre Père? Est-ce que tu peux le faire très bien? Est-ce que tu peux célébrer la grâce prophétique de notre Père? Avance, prophète. Avance, prophète. Prier pour l'enfant qui a dans le ventre de Kedesh parce qu'elle est enceinte. Oui, prophète. Oui, prophète. Elle est encore enceinte. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Yann, tu vas prier pour Yann. Yann, d'oiseau là. Oui, oui. Oui, Yann, d'oiseau là. Oui. C'est ça? Oui, prophète, c'est ça. Les yes. Priez pour l'enfant qui a dans le ventre, comme le pasteur Daniel a déclaré, qu'il n'y ait pas d'avortement, que ce qu'il y a dans le ventre là. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de la porte des cieux? Si c'est comme ça que tu célèbres ton Père, en tout cas. Avance, prophète. Avance. Après, Yann, tu vas aussi prier pour Shekemit. Oui, c'est ma petite sœur. C'est la troisième. Oui. Shekemit. Parce que je vois une grande onction
En fait, je vois une grande onction sur tous les enfants. Vos parents vous ont déjà consacré à Dieu, vous tous tels que vous êtes là, tous les enfants. Oui, prophète. Dieu me dit, votre père et votre mère vous ont déjà consacré à Dieu. Oui. Chaque nom que vous portez sont des noms qu'ils recevaient par révélation. Avance, prophète. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. C'est vrai. Donc, chaque nom que vous avez, vos parents étaient en train de vous donner ça par rapport à des révélations hébraïques, des révélations spirituelles qui recevaient du destin de chacun. Et en commençant par toi, jusqu'à petit elle, vous tous, vous allez être des serviteurs et des servants de Dieu. Amen, prophète. Lève la main droite, remets la main droite en l'air. Je décrète l'arabasoba. Je décrète et déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ la guérison sur le corps de ta mère, la restauration sur le corps de ton père, dans ses finances, dans ses projets, dans ses visions. Que l'huile qu'il y a sur chaque enfant, que le destin qui est tracé devant vous, vous garde sur la bonne voie et que jamais vous puissiez vous éloigner de ce que Dieu a déjà prévu et réservé pour vous. Aujourd'hui, parce que tu as foulé les pieds à la porte des cieux, tu as écouté la parole de ce soir. Comme on a parlé des pieds, Dieu a déjà touché ta mère. Amen. Amen. Abraba Shanta Yabrasa. Pour toute l'église qui est connectée ici. Je décrète et déclare pour toute l'église qui est connectée et pour toutes les personnes en direct, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu que je sers vous visite. Visite vos familles, vos ministères, vos études, tout ce que vous faites et entreprenez. Je décrète et déclare que la gloire de Dieu entre dans vos maisons, que la restauration vienne dans vos maisons et que le Dieu de gloire vous donne en cette saison de libérer vos potentiels pour impacter votre communauté et impacter votre génération. Je bénis ce culte, je bénis le retour de chacun, je bénis les offrandes et les dîmes, je bénis ceux qui sont en ligne et je bénis le culte le dimanche, le matin à Kinshasa et le soir ici à Paris. Que la gloire de Dieu éclate en ce week-end au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Merci, papa. Merci. Merci, papa. Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le prophétique dans la maison? On peut célébrer les dieux qui parlent. Oh, ça m'étonne que tu célèbres Dieu assis. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus en ces lieux? C'est ton Père qui vient de te bénir. Il a déclaré que ta saison est bénie. Il a déclaré que tu as de l'emploi. Il a déclaré que ta vie est en train de changer. Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour cela? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas pressés, nous allons partir dans les prochaines 5 minutes. J'aimerais seulement que nous puissions avoir nos paniers d'offrandes. Vous le savez, nous ne venons pas dans la maison de Dieu main vide. Après un service comme celui-ci, après ce que Dieu a fait, j'aimerais que tu puisses préparer une bonne offrande. Que tu prépares une offrande pour sceller les choses que tu as reçues. Tu es en ligne, tu es en train de nous suivre. Je te demanderai aussi de faire pareil. Nous avons les QR codes. Nous avons les moyens des paiements mobiles qui s'affichent certainement déjà sur l'écran. Ne passe pas d'un service à un autre, mais j'aimerais que tu puisses sceller les choses que tu as reçues pendant ces instants. Dieu est en train de te donner accès à une nouvelle saison. Dieu est en train de t'ouvrir à des grandes choses. Prépare quelque chose de bien ce soir, que tu emmènes dans sa présence. Est-ce qu'on peut déjà commencer à avancer avec nos offrandes? Et en même temps, pour ceux qui sont en ces lieux, vous êtes venus avec le 1/10, votre dîme. Le premier 1/10 de ce que vous avez reçu. Venez avancer, prenez l'enveloppe afin de pouvoir donner votre dîme. Vous me suivez aussi en ligne, vous avez votre dîme que vous voulez donner. Allez directement sur la page, scannez le code, envoyez votre dîme. Vous êtes ici sur place, prenez l'enveloppe. Afin de sceller, nous allons bénir vos 1/10. Pour ceux qui ont les enveloppes, levez-les juste vers les ciels. De la même manière que mon Père a déclaré,
Je déclare que vos un dixième sont bénis. Je déclare la multiplication. Je déclare l'addition. Je chasse loin de vous la soustraction et la division. Qu'à partir de maintenant, que vos greniers soient remplis au nom de Jésus-Christ. Que la sécheresse vous quitte pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez déposer vos dîmes devant. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont d'ici, nous avons pour coutume de pouvoir mettre un verre d'eau dans le verre de celui qui nous a bénis. J'aimerais comme ça nous inviter à avancer avec nos offrandes du prophète. Vous êtes en ligne, vous êtes en train de suivre, vous pouvez faire pareil. Vous voulez sceller ces moments, vous voulez ajouter un verre d'eau dans le verre de notre prédicateur de ce soir. Je nous prie de pouvoir emmener juste d'avancer avec vos offrandes du prophète. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Je prie pour vous, pendant que vous scellez avec vos offrandes des prophètes, votre offrande, que le Dieu qui marche avec son serviteur se souvienne de vous. Que le Dieu qui marche avec son serviteur vous ouvre les portes. Que le Dieu qui marche avec son serviteur vous accorde la victoire dans vos combats. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quel culte! Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour ses cultes? Je disais, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour ses cultes puissants? L'Éternel nous a fait du bien, n'est-ce pas? L'Éternel nous a fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Voilà, nous aimerons en ce moment accueillir ceux-là qui sont venus pour la première fois à la porte des cieux. C'est la première fois que vous puissiez venir. Vous n'avez jamais adoré avec nous. Ce soir, c'est votre première fois. Vous avez été invité par quelqu'un. Vous avez vu l'invitation sur les réseaux sociaux, sur Power Channel. Nous aimerons vraiment ce soir vous honorer et honorer votre présence. Si vous êtes là, je vous prie de seulement vous lever de là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour nos frères? Que la gloire revienne à notre Dieu. Vous êtes la bienvenue à l'église Porte des Cieux. Vous l'avez compris certainement, notre Père est en déplacement missionnaire actuellement. C'est le prophète Joël Francis Tatou. Je vous passe ces mots, vous êtes les bienvenus en ce lieu. En tout cas, si vous n'avez pas d'église, c'est la première fois que vous visitez et que vous n'avez pas d'église, cette chaise-là peut désormais vous appartenir. Mais si vous appartenez à une église, ou soit si vous êtes des passages dans la ville, nous vous prions de transmettre nos salutations à votre église mère qui est notre église sœur. Amen. Nos protocoles vous ont certainement donné des petits bouts de papier qui nous permettront comme ça de garder contact avec vous. Je vous prie de bien vouloir mettre vos coordonnées de manière à ce que nous puissions garder contact ensemble. Amen. Et à la fin, vous verrez un protocole juste à la fin de la salle là-bas à qui vous pourrez le remettre. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos bien-aimés qui se sont joints à nous? Parfait, parfait, parfait. Pour ceux qui nous suivent en ligne, les cultes s'arrêtent ici. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter à nous. Prochainement, n'hésitez pas de manquer. On a un autre programme demain avec la jeunesse. Et dimanche, très tôt matin, nous commençons pour notre dimanche de culte.